Je vous propose qu'on démarre cette troisième table ronde de la journée qui va essayer de décliner une autre dimension ou plusieurs autres dimensions qu'on n'a pas pu évidemment évoquer cette matinée. Le titre de la table ronde, c'est « Faire face aux guerres de l'effondrement et à leurs conséquences ». Et puis, puisque Pascal Durand nous a fait l'amitié d'être présent comme député européen, comment l'Europe, finalement, se prépare-t-elle à cette situation? Alors, dans les guerres du climat, un ouvrage paru en 2009 d'Harald Welzer, que certains peut-être ici connaissent, qui a pour titre d'ailleurs « Les guerres du climat », celui-ci indique que notre modèle est à bout de souffle, que les tensions deviennent de plus en plus fortes entre les pays pour la maîtrise des ressources. On a un tout petit peu évoqué cette question ce matin. Et qu'à travers les guerres du climat, ce qu'il appelle lui les guerres du climat, les pays riches vont chercher à se protéger contre les flux de réfugiés chassés de leur pays par l'évolution du climat. Pour Harald Welzer, cette évolution va entraîner une accumulation de catastrophes, l'effondrement des États. Entre 50 et 200 millions de réfugiés climatiques vers 2050, une économie de guerre ou encore le développement des mafias. Ce qui fait d'ailleurs écho à d'autres chercheurs. Nous avions invité Alex Bastien, qui est chercheur à l'IRIS, qui n'a pas pu être là ce matin, mais pour qui le réchauffement climatique va entraîner trois conséquences: l'émigration, la fragilisation des États, qui sont eux-mêmes fragilisés depuis plusieurs décennies par la dérégulation, et enfin la compétition sur les ressources, ou autour des ressources. Là aussi, M. Valentin, ce matin aussi, a évoqué cette question du rapport entre les puissances et la captation des ressources. Alors, finalement, la question que je pose à nos trois invités, doit-on redouter la multiplication des conflits s'alimentant de la pression du climat? Quels sont les risques induits par le réchauffement climatique et comment l'Europe se prépare-t-elle à ces nouvelles dimensions? Et enfin, puisque nous en sommes, en tout cas en Europe, en plein autour de ce sujet, comment aborder la question de l'accueil, je ne dis pas de la crise des réfugiés, mais de l'accueil des réfugiés climatiques? Alors, pour répondre à ces quelques questions, j'ai autour de cette table donc trois invités. Vincent Migneron, qui est coprésident ou porte-parole, président d'honneur. Voilà, président d'honneur. Président d'honneur du comité Adrastia, mais peut-être tu présenteras très rapidement l'objet de ce comité. À ma gauche également, Marine Denis, qui interviendra, qui est doctorante et qui est membre de notre affaire à tous. Et à ma droite, donc, Pascal Durand, qui est député du groupe Vert européen à l'Assemblée européenne et qui interviendra plus particulièrement sur, évidemment, l'approche européenne de ces sujets. Eh bien, très bien. En fait, nous sommes très bien. Enfin, notre affaire à tous est évidemment est très, très bien représentée ce jour. Vincent, je te laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, je reprends alors. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis honoré et un petit peu fébrile, pour être honnête, parce que le sujet qui est abordé cet après-midi n'est pas mon sujet d'expertise du tout, on va dire. En tout cas, la géopolitique et la guerre, ce ne sont pas les sujets que je traite habituellement, bien que dans le cadre de l'effondrement, ça soit indispensable. Je vais être tout à fait honnête aussi, ce sujet spécifique de la conflictualisation du contexte de demain ne m'est pas facile émotionnellement,
Donc je vais le traiter avec une certaine distance et j'espère le plus d'objectivité possible, sachant que moi, c'est un sujet qui m'est difficile. Je suis donc président d'honneur et fondateur de l'association Adrastia, du comité Adrastia. Cette association a pour objectif de centraliser, produire et diffuser de l'information sur le risque d'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. L'association existe depuis 2014. Alors, contextualiser la problématique géopolitique de la violence des guerres de demain dans l'effondrement peut-être nécessite une définition de l'effondrement. Je vais en proposer une qui sera à discuter, qui est la mienne, et qui peut-être rassemble ou s'oppose à d'autres définitions de l'effondrement qu'on peut connaître par ailleurs. Et je vais la lire. Quelle que soit l'organisation sociétale humaine considérée, alors c'est important, c'est-à-dire que la question de l'effondrement ne concerne pas que notre civilisation, mais aussi des sociétés de chasseurs-cueilleurs ou des sociétés qui ne sont pas thermo-industrielles, etc. Quelle que soit l'organisation sociétale humaine considérée, l'effondrement, c'est le retour plus ou moins rapide et global des contraintes de la régulation par les lois naturelles sur les critères particuliers de l'alimentation, de la santé et de la sécurité. Pourquoi j'ai besoin, moi, de réutiliser le contexte des lois naturelles? Parce que, et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, l'humanité s'écrit des cadres de lois artificielles qui lui permettent de gérer ses interactions avec l'environnement naturel. Le cadre westphalien fait partie de ces cadres-là. Et dans la question qui se pose pour le cadre westphalien, est-ce qu'il s'effondre s'il n'est plus capable d'écrire ses propres lois au regard d'un contexte de contraintes écologique, dont les lois naturelles viennent se réimposer très schématiquement et rapidement, les principes de la thermodynamique et les lois de la sélection naturelle sur l'alimentation, la santé et la sécurité. Est-ce qu'un modèle westphalien qui impose des frontières, comme ça a été dit ce matin, de façon totalement arbitraire, sans tenir compte des écosystèmes eux-mêmes et des interactions que les humains sur site ont avec les écosystèmes, est-ce que ce cadre de loi artificielle-là qui vient s'imposer est tenable? Et en quoi sa déconstruction est un retour des contraintes et d'une certaine violence, et c'est ce qu'on va étudier maintenant. Pour recontextualiser l'évolution globale de l'humanité, on va se rappeler de la démographie qui était sur la planète, la démographie humaine sur la planète avant le développement de la civilisation au global, c'est-à-dire il y a à peu près 10 000 ans. Et c'est un premier vertige, puisqu'il y avait sur toute la planète, il y a 10 000 ans, 6 millions d'humains. Millions d'humains, un peu moins que la population de Paris, vraiment sur toute la planète. Et ça n'est pas une valeur isolée dans l'histoire, c'est sur plusieurs dizaines de milliers d'années que cette population stable à 5 ou 6 millions s'est maintenue. La démographie précédente, avant ces dizaines de milliers d'années à 6 millions, c'était quelques centaines de milliers. Et à chaque fois, l'augmentation de la démographie a été due à un progrès technique. Donc là, nous entrons dans le vif du sujet, puisque si nous sommes aujourd'hui 8 milliards sur Terre, nous ne pouvons probablement pas, et à mon sens pas du tout, déconnecter la démographie du développement des techniques et par la suite des civilisations qui ont maîtrisé et écrit des cadres de loi autour de ces techniques-là, qui ont in fine permis à la population de grimper jusqu'à 8 milliards d'êtres humains. Second vertige. Que se passe-t-il si le déploiement des techniques qui ont permis à 8 milliards d'êtres humains d'exister, et a fortiori des cadres de loi qui permettent de les déployer, si cela est remis en cause, que se passe-t-il sur le plan démographique? Et non, on en revient donc à la définition de l'effondrement que j'ai donnée tout à l'heure. Évidemment, il y a un risque que d'autres cadres de loi se réimposent, les cadres de loi naturels, sur l'alimentation, la sécurité et la santé. En particulier sur l'alimentation, évidemment, puisque les techniques agricoles sont principalement ce qui nous en fait être 8 milliards sur Terre. Nous rencontrons tout de suite la problématique énergie et climat, qui sont les deux grosses contraintes qui vont impacter l'agriculture demain. Vous connaissez le rapport Meadows, qui a, dans les années 1972, après sa publication, fait polémique, qui reste évidemment d'actualité, qui est un modèle qui se questionnait sur la viabilité de nos sociétés thermo-industrielles, sur les critères essentiellement énergétiques et de ressources, et évidemment des rendements agricoles. Je ne rentre pas dans le détail parce que vous connaissez ce modèle-là et qu'il est maintenant intégré dans la plupart des réflexions sur l'écologie, je l'espère en tout cas. Et ce modèle envisage que nos sociétés, à partir d'une certaine date,
Coûte trop cher à entretenir, en fait. C'est moins un problème climatique qui ne faisait pas vraiment partie des équations au départ qu'un problème de coût qui fait que nos sociétés deviennent trop chères à maintenir sur le plan de leur complexité intrinsèque et sur le plan du flux de matière et d'énergie qui lui-même ne peut que se réduire avec le temps. Donc ce modèle estime probable un effondrement de la civilisation thermo-industrielle à partir de la décennie 2030, ce modèle étant jusqu'à aujourd'hui très bien vérifié par l'histoire a posteriori. Donc je vous propose un second vertige, c'est les estimations chiffrées de déclin démographique suite au déclin des rendements agricoles après la décennie 2040, qui va nous permettre d'introduire la question de la guerre et d'une éventuelle régulation par la guerre de la démographie. À partir de la décennie 2040, chaque année, selon le rapport Meadows, donc restons prudents, c'est-à-dire que ce n'est pas une prédiction, hein, c'est tout à fait un modèle, c'est juste une estimation, chaque année, le déficit démographique net dans la décennie 2040 est autour de 40 millions d'êtres humains, augmentant chaque année pour aller jusqu'à 150 millions de déficit démographique net aux alentours de 2100. La courbe de ce rapport estime donc une population à 2100 autour de 3 milliards, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, ça n'est pas du tout les projections business as usual ou toute chose égale par ailleurs de l'ONU, qui, selon des modèles fréquentistes, prolongent en fait les courbes actuelles sans tenir compte d'autres paramètres qui, eux, sont intégrés au modèle Meadows. Est-ce que nous allons pouvoir nous échapper des prédictions du modèle Meadows, du rapport Meadows? Alors c'est là que j'introduis quelques concepts qui sont des analogies avec leurs limites, mais qui me paraissent des outils intéressants à utiliser pour comprendre la situation dans laquelle on est et surtout le fait que nous n'arrivions pas à nous en dégager. L'hypothèse de la reine rouge, l'effet de la reine rouge, le syndrome de la reine rouge, c'est une hypothèse développée par Lee Van Valen à partir d'une lecture du second livre de Lewis Carroll autour d'Alice au Pays des Merveilles. Et à un moment, dans ce second livre, Alice court à côté de la reine. Et elles courent toutes les deux, et elles se rendent compte que le paysage ne bouge pas. Et évidemment, Alice demande à la reine pourquoi le paysage ne bouge pas. Et la reine répond, mais il faut courir pour rester sur place. Voilà. Et le syndrome de la reine rouge est utilisé désormais dans beaucoup d'autres domaines que la littérature, en biologie en particulier, pour expliquer comment des espèces coévoluent sans changer les rapports de force. Simplement, par exemple, donc des espèces coévoluent puis se complexifient. Le guépard et la gazelle ont coévolué pour courir. Enfin, pour courir, non, il n'y a pas de finalité, mais les deux espèces ont fini par être extrêmement performantes à la course, parce qu'à chaque fois que l'une, par sélection génétique, par sélection naturelle, faisait des petits qui couraient un peu plus vite, il fallait absolument que la proie ou le prédateur s'adapte aussi et sélectionne parmi ses petits celui qui court le plus vite. Et au départ, on avait un petit chat et un petit animal chétif qui étaient proie-prédateurs, et puis au final, on a les êtres parmi les plus performants, en tout cas à la course, que la biologie ait jamais conçu. Mais le rapport de force n'a pas changé. Et ce syndrome de la reine rouge, appliqué à nos sociétés, peut, encore une fois par analogie, expliquer beaucoup de choses pendant la guerre froide, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. On fabriquait plus d'ogives nucléaires qu'il n'en faut pour détruire la planète, mais même plusieurs fois. Enfin, je veux dire, il y a une forme d'absurdité dans cette rivalité à la production de têtes nucléaires qui n'a pas sens si on n'introduit pas justement ce principe de coévolution non finaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectif particulier à développer une technique en soi ou quelque chose de vertueux ou même quelque chose d'efficace. Simplement, il n'y a pas d'autre choix que de développer les ogives nucléaires juste parce que l'autre le fait. Et ça nous projette finalement dans une forme d'absurdité évolutive et qui vient pour moi éclairer beaucoup de choses sur le plan de notre adaptation. Alors ça s'adapte à toute autre circonstance économique. Des entreprises se développent de façon absurde en utilisant des moyens parfois toxiques, de la publicité à outrance, etc. La question est de savoir dans quelle mesure elles peuvent avoir le choix si elles ne le font pas par rapport à une rivalité qui fait la même chose de son côté, sachant même que le développement d'une entreprise est sous-tendu certes par les actionnaires évidemment, mais aussi par l'ensemble de la société dans laquelle elle est inscrite, y compris les salariés et puis les clients, etc. etc. Donc le contexte de la reine rouge est peut-être ce dans quoi nous sommes projetés, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse finalement.
Pour introduire plus précisément la déconstruction des modèles, pourquoi pas celui du modèle westphalien, on peut utiliser une autre analogie issue de la biologie, c'est celle de la sélection R sur K. La sélection R sur K, c'est deux stratégies évolutives qui font que les écosystèmes sont capables de s'adapter à des variabilités écologiques, des variabilités dans l'approvisionnement des ressources ou climatiques, etc. Les petits animaux R sont des animaux qui se reproduisent beaucoup, ont beaucoup de descendants à chaque génération et sont de plus petite taille. Les animaux K, grand K, sont des animaux de grande taille qui se reproduisent peu et ont peu de petits à chaque génération. Et lors d'une réduction de l'approvisionnement des ressources dans un écosystème, il se passe une forme de sélection R sur K qui fait que les grands organismes qui se reproduisent peu et qui ont peu d'enfants, peu de petits à chaque génération disparaissent en premier au profit de l'apparition de petits organismes qui se reproduisent beaucoup, etc. Et ça, c'est ce qui a fait, semble-t-il, l'évolution, la complexité même du vivant, qui est finalement très plastique en fonction des circonstances. La variabilité climatique étant constante depuis 4 milliards d'années, le climat n'est jamais le même d'une décennie à l'autre, on peut le dire, à l'échelle planétaire et a fortiori à l'échelle centenaire, millénaire, etc. Eh bien, le vivant s'y adapte de cette façon-là. Ce n'est pas totalement systématique quand il fait plus froid, ce sont plutôt des gros organismes qui y résistent et qui s'adaptent. Mais en tout cas, en restriction d'approvisionnement des ressources, semble-t-il, les petits organismes très plastiques prennent le pas sur les gros organismes. Et là, du coup, ça nous ramène à la déconstruction du modèle westphalien. Est-il capable d'anticiper, ou modèle westphalien ou autre, toute forme de complexité administrative, juridique, technique, de loi, enfin voilà, tous les cadres hyper complexes que nous avons développés, seront-ils capables de se déconstruire de façon vertueuse ou seront-ils remplacés tout simplement sous une forme de sélection R sur K? La question est ouverte, mais par rapport à la question de la violence, nous avons un apport intéressant, c'est que les modèles R, petits R, des petits êtres vivants, sont moins rivaux. C'est-à-dire qu'ils sont moins enclins à se taper les uns sur les autres. On va dire les petits organismes sont moins dans des techniques d'appropriation des ressources qui amènent du conflit. Ça, on peut se le rappeler. Vous parliez tout à l'heure de la question des mafias. La question est de savoir dans quelle mesure ce ne sont pas des petites organisations plus plastiques et plus souples qui viennent se positionner à des moments de déconstruction des grandes organisations. Autre conflictualisation, les grands États, les grandes infrastructures et les ZAD, qui sont là aussi une conflictualisation peut-être d'ordre R sur K. Ça a été dit ce matin, donc je ne serai pas long là-dessus, mais il y a effectivement déjà des études qui se questionnent sur l'augmentation du niveau de violence interindividuelle sur le seul critère du climat, en particulier de la chaleur. Voilà, sur le seul critère de la chaleur, il y a un risque d'augmentation de la violence dont il faut tenir compte. Donc, dans l'ensemble de mon exposé, moi, je ne prendrai pas parti sur le fait que la violence augmentera ou n'augmentera pas, j'en sais rien. En tout cas, elle va changer de forme et c'est ce dont je vais parler. Et surtout, est-ce que cette violence ne va pas finalement, dans un contexte de déconstruction, d'effondrement d'approvisionnement des énergies et de problèmes climatiques, est-ce qu'une nouvelle forme de régulation de la violence ne pourrait pas apparaître? En particulier sur le critère de l'énergie. Lorsqu'un conflit est engagé, c'est valable chez les chimpanzés autant que chez nous, que ce soit même dans la boxe ou sur le plan militaire à très grande échelle, avant d'engager un conflit, il faut quand même avoir fait une estimation de la possibilité d'en rembourser les coûts initiaux, et que ce soit d'ailleurs dans une perspective qu'on gagne ou pas le conflit, il faut quand même essayer de survivre après. Et nous entrons dans un contexte de déflation énergétique mondiale, et ça c'est totalement inédit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de société humaine, il y en a quelques-unes, mais il n'y a quasiment plus de société humaine dont l'organisation ne soit pas indexée au pétrole, aux hydrocarbures en général. Or, là, on assiste pour la première fois à une déflation globale, unilatérale, irréductible, irrévocable. Les effondrements qui ont eu lieu par le passé se sont tous produits dans des situations où d'autres ressources pouvaient être exploitées immédiatement ou plus tard, ou en tout cas, il y avait des échappatoires sur le plan des approvisionnements qui pouvaient éventuellement générer des conflits. Or là, tout le monde est dépendant de la même ressource. Et il me paraît potentiellement régulateur de dire que tout le monde va réfléchir à deux fois
avant d'engager un conflit sur cette ressource-là, parce que le gain, le lendemain, éventuellement si la guerre est gagnée, est quasiment improbable, puisque de toute façon, de façon matérielle, de façon physique, pour tout le monde, chaque jour, à partir d'une certaine date, il y aura moins de pétrole. Le second paramètre régulateur, c'est que le pétrole lui-même est une ressource énergétique. L'énergie, ça sert à bouger, ça sert à faire des transformations, ça sert à vivre. Et si chaque jour qui passe, tous ceux qui sont dépendants du pétrole ont moins de moyens de faire quoi que ce soit, y compris la guerre, il est possible qu'en tant que telle, la déflation devienne régulatrice sur la violence. Je ne dis pas qu'elle va disparaître, je dis que pour moi, de façon très subjective, j'ai du mal à imaginer ce qui est le fantasme de beaucoup, c'est une troisième guerre mondiale. Structurellement, je la crois régulée d'elle-même, parce que les guerres mondiales précédentes, justement, étaient fondées sur un partage de ressources en croissance, en disponibilité croissante. Or là, qui oserait attaquer un voisin dont il est lui-même dépendant, par les marchés et par l'approvisionnement en ressources, sans même avoir de gains possibles à l'issue de la guerre? Voilà, le contexte même de mondialisation, en fait, je l'ai déjà dit, fait qu'il n'y a pas d'échappatoire physique. Celui qui perd un conflit aujourd'hui ne peut pas se réfugier dans une montagne, comme ça a pu être le cas pour d'autres sociétés, et se resécuriser après. Et ça, c'est valable, à mon sens, à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'un grand État qui viendrait à perdre un conflit serait immédiatement exclu des marchés et s'effondrerait littéralement. Et même les petites organisations mafieuses ou... qui émergent de toutes parts en Afrique notamment, plus ou moins reliées à des organismes religieux, elles-mêmes finalement sont dépendantes pour leur organisation de structures à plus grande échelle qui sont indexées, dont le fonctionnement est indexé au pétrole. Donc il faut essayer de voir dans quelle mesure il n'y a pas instrumentalisation, mais pas solution, ou en tout cas pas possibilité pour ces conflits-là de passer à une échelle supérieure. Peut-être parce qu'ils sont eux aussi régulés par la déflation pétrolière. Autre facteur de régulation potentiel, c'est ce que Ugo Bardi appelle la falaise de Sénèque. Et la falaise de Sénèque, en fait, elle est, j'en ai parlé déjà par la déplétion, c'est le fait que les sociétés croissent à vitesse lente, s'enrichissent à vitesse lente, mais dont la ruine est plus rapide que la croissance. Il faut comprendre, et c'est d'ailleurs un petit peu évoqué dans le rapport Meadows, que, et par Tainter lui-même, anthropologue, qui a réfléchi à la question de la complexité, une société qui s'effondre parce qu'elle est trop complexe par rapport à ses approvisionnements en ressources, subit sa propre auto-intoxication. Et cette auto-intoxication, par la pollution, par on a vu le pont de Gênes s'effondrer, les infrastructures complexes sont plus chères à entretenir que les infrastructures simples, et le coût de leur entretien est croissant dans le temps, nécessairement croissant, ce qui demande un plus grand approvisionnement énergétique chaque année, etc. Et ça, c'est ce qui fait que les effondrements sont plus rapides que la croissance. Et en tant que tel, c'est quelque chose de totalement, on va dire, ça empêche le mouvement en tant que tel. C'est-à-dire que sauvegarder l'existant est déjà un tel coût que la potentialité de financer un conflit quelconque est réduite d'autant qu'il faut ne serait-ce que sauvegarder l'existant. Donc là encore, la falaise de Sénèque vient montrer en quoi l'explosion des conflits pourrait être régulée par le fait même que les sociétés, même si elles traversent des périodes de conflits inévitables, surtout pendant la période de rupture, celle du basculement vers un effondrement, même si des conflits apparaissent à ce moment-là, les entretenir sur le long terme paraît structurellement, à mon sens, compliqué. Un autre paramètre dont je voulais parler aujourd'hui, c'est les différentes mythologies dans lesquelles nous sommes inscrits, qui ont fait que nous sommes face à un écueil écologique massif, et des mythologies dont certaines sont autoréalisatrices et toxiques. Le fantasme millénariste apocalyptique à la Mad Max, celui qui envisage, comme je l'ai critiqué jusque-là, une guerre pérenne, systématique, systémique, incontournable, et qui élit un sauveur qui viendra finalement rassembler la communauté autour de lui, ce fantasme-là, pour moi, est lui-même toxique. Et il n'est pas représentatif, justement, de ces sociétés qui, historiquement, ont pu s'adapter à des périodes de décroissance, de transition en négatif, de baisse des approvisionnements des ressources. Et je crains qu'il soit autoréalisateur en ce sens qu'il justifie pour certains le repli
Alors, un grand fantasme sur l'autonomie alimentaire émerge aujourd'hui, en parallèle de l'effondrement et de la collapsologie, que je critique parce que s'isoler, c'est peut-être une question qui se posera très après, longtemps après l'effondrement massif, mais pendant, je ne vois pas en quoi cela pourrait être pérenne. Et même, enfin voilà, il faut pas, je dirais simplement qu'il ne faut pas confondre autonomie et autarcie, et c'est cette confusion-là qui me paraît problématique dans certains modèles qui se développent aujourd'hui. Et l'autre problème, bien sûr, c'est que ces formes d'autonomie, voire de survivalisme, sont fondées sur le fantasme d'un effondrement massif rapide, duquel qu'il faudrait traverser dans certaines conditions de sécurité personnelle et égoïste, très clairement, dans l'ambition de reconstruire quelque chose après. Je ne crois pas que nous soyons dans ce contexte-là. Et si on reprend l'exemple des Mayas, les Mayas c'est une société qui s'est effondrée sur le plan infrastructurel, sur le plan politique, mais pas sur le plan démographique. Pourquoi ? Parce que collectivement, les Mayas ont adopté d'autres modèles agricoles, l'agroforesterie en particulier, ont abandonné les cités, mais ont retrouvé une vie que leurs ancêtres avaient eue dans la forêt. Et la population maya, sur le plan démographique, finalement ne s'est pas effondrée, ce qui vient questionner la définition même d'un effondrement. Dans quelle mesure le retour des cadres de la naturelle, la déconstruction des civilisations, est littéralement un effondrement démographique ? Ça n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, des Mayas, il y en a partout génétiquement en Amérique du Sud, qui sont les ancêtres directs des civilisations mayas qui se sont effondrés sur le plan de l'infrastructure et du politique. Alors, je vais être un peu rude, je m'en excuse par avance, mais peut-être, ça ce sont des hypothèses que je développe dans mon travail personnel, peut-être demain, afin d'éviter d'avoir des discours qui soient mal compris ou qui génèrent de la frustration, peut-être ne pas conditionner un discours de paix, de pacification pour demain sur le critère de la protection de l'environnement. Pourquoi ? Parce que la protection de l'environnement, c'est-à-dire la capacité pour l'humain de réduire son impact, ou même, et encore plus, de protéger un environnement, c'est quelque chose qui, sur le plan scientifique, n'a absolument jamais été vérifié. C'est même, à mon sens, un raisonnement à rebours. Évidemment, nous sommes une société extrêmement angoissée, et déjà depuis le 19e, hein, c'est les textes sur l'inquiétude de la fin des ressources et la destruction des forêts datent du 19e. Nous sommes une société qui s'est inquiétée de façon légitime de l'environnement, de son impact, et qui peut-être, après les années 50, a dit ben, « il faut protéger l'environnement ». Mais ça, c'est une décision, a posteriori, ça n'est pas une hypothèse scientifique. C'est littéralement développer un projet, y croire, et écrire une narration qui viendrait légitimer ce projet ou le rendre opératoire, alors que, vu qu'on n'a pas vérifié l'hypothèse de départ, on ne sait pas si c'est possible. Et aujourd'hui, la protection de l'environnement, je le dis de façon assurée parce que les données sont massives, la protection de l'environnement se confronte à un échec massif et total. Total, c'est un mot lourd, mais oui, la planète entière est impactée par une société en particulier, ou une civilisation, la civilisation thermo-industrielle, qui en plus est celle qui a inventé le concept de protection de l'environnement. Donc il faut comprendre que, alors je ne pourrais pas développer là, mais cette hypothèse que la protection de l'environnement fasse partie des mythologies utiles doit être travaillée absolument. Si nous la reproduisons demain, elle est toxique et potentiellement génératrice de frustration, en particulier pour les plus pauvres, parce que si on leur dit qu'on prend soin d'eux pour leur avenir, en protégeant leur environnement, mais que dans les faits, cette protection de l'environnement ne s'opère pas, et qu'en plus ils souffrent de la réduction économique, de la contrainte énergétique, les plus démunis d'entre nous vont subir cette injonction paradoxale de façon à ce que cette frustration puisse éventuellement être un terreau de violence ou un terreau de rancœur, potentiellement toxique pour le fonctionnement même des sociétés. Voilà une partie de vigilance que je tiens à avoir, que je décline sur une seconde mythologie, qui pour moi est aussi une des plus toxiques, en particulier sur le critère de la paix, puisque nous pourrions avoir des velléités à nous départir des conflits liés au pétrole, qui sont évidents, ils sont historiques, il faut lire Mathieu Ozano, qui pourraient être encore les raisons des conflits de demain,
Et on pourrait imaginer qu'avec une transition énergétique vertueuse, nous puissions devenir moins dépendants des hydrocarbures en général et du pétrole en particulier, et finalement générer un monde plus en paix sur ce critère-là. Mais là aussi, l'hypothèse de la substitution des énergies, donc le fondement même de toute transition énergétique, n'est absolument pas vérifiée. Et elle n'a même pas été posée, en fait. Il a été décidé, il a été choisi que la substitution des énergies était possible, et ensuite on a écrit des scénarios pour espérer pouvoir la faire. Je sais que ce sont des propos difficiles à défendre, mais je m'appuie sur la réalité des mesures. Là encore, depuis que nous avons développé les énergies de substitution, alors le nucléaire autant que les énergies renouvelables, nous n'avons jamais émis autant de CO2 et nous sommes même en accélération. Plus marginalement, je propose... Deux minutes. Je propose l'hypothèse d'un renforcement synergique des énergies. Nous devons imaginer que potentiellement le développement des énergies dites de substitution, mais c'est très bien, j'arrive à la fin, pourrait être un facteur d'augmentation des énergies des émissions de CO2. Allez, un dernier point sur lequel il faut être prudent à mon sens. L'entraide et la coopération ne sont pas des valeurs. Il me paraît difficile d'appuyer un discours de pacification de l'avenir sur l'entraide et la coopération, sachant que l'entraide et la coopération, c'est ce que mettent en place les mafias et les structures qui souhaitent envahir leurs voisins, essentiellement dans un objectif maléfique, ou malveillant, ou de conquête, ou tout ce qu'on veut. La coopération, c'est une stratégie du vivant qui est fondée, qui ne sert qu'à une chose d'ailleurs, qui ne sert qu'à optimiser l'exploitation des ressources, l'extraction des ressources, l'assimilation des ressources. Et cette coopération, on l'a vu tout à l'heure avec la sélection R sur K, elle peut très bien être développée et mise en avant par les petits organismes R. Ça ne veut pas du tout dire qu'en fonction du contexte, ils ne consomment pas les ressources au maximum. C'est-à-dire que le contexte se réduit dans ses approvisionnements. Malgré tout, la biologie, les écosystèmes consomment les ressources au maximum. Donc en tant que telle, la coopération n'est pas une vertu. C'est très très problématique pour moi de faire cette assimilation-là. Voilà, je fais court. Dans l'ensemble, ce que je voulais dire, c'est que si nous faisons des promesses que nous ne sommes pas capables de tenir, c'est générateur de frustration, donc de conflits potentiels, y compris en interne des sociétés, en particulier pour les personnes les plus démunies. Voilà, ça c'est un point important que je voulais souligner. Comment je pourrais conclure ? Voilà, je pense que la réalité ne sera ni Mad Max, ni une grande mer de tranquillité. Sera très complexe. Et qui personne ne peut dire qu'il n'y aura pas de conflit à grande échelle. Les hypothèses que j'ai proposées sont peut-être utopiques, en tout cas dans la régulation des conflits à grande échelle. Je me trompe peut-être lourdement et c'est une erreur. Malgré tout, je pense qu'il faut intégrer les grandes contractions énergétiques que nous allons vivre et le grand vertige du déclin énergétique dans les décennies qui viennent. Alors je ne parle pas d'un effondrement sur 2 ans, je parle vraiment d'un processus d'effondrement sur plusieurs décennies, dans toute sa complexité et ses aspects mosaïques. Et je conclurai sur un aspect vraiment spéculatif, mais qui doit aussi être questionné. C'est dans quelle mesure l'humanité est passée à côté de quelque chose, peut-être au cours des dernières années. C'est quelque chose qu'elle a fait sur une partie des êtres vivants autour d'elle, c'est le processus de domestication. Elle a domestiqué quantité d'espèces pour son service propre, pour son alimentation en particulier. Quantité d'espèces dont elle a développé des capacités à produire de la viande, développé certains traits génétiques pour son intérêt exclusif. Et dans l'évolution, il n'y a pas de préécriture, je parlais d'absurdité de l'évolution tout à l'heure, il n'y a pas de préécriture sur ce que doit devenir l'humanité et ce à quoi elle doit se soumettre dans l'avenir. Il n'y a pas de préécriture qui interdirait que l'espèce humaine, peu ou prou, soit domestiquée par ces outils, finalement, ces outils technologiques. La question se pose dans le développement des algorithmes, ce qu'on appelle de façon un peu floue l'intelligence artificielle, en tout cas les algorithmes, qu'eux-mêmes les algorithmes ne deviennent pas pacificateurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul intérêt pour des algorithmes qui ont comme substrat les réseaux et finalement le fonctionnement des serveurs, c'est-à-dire le fonctionnement des centrales charbon qui alimentent les serveurs ou qui les refroidissent, etc. Il n'y a pas d'autre intérêt pour les algorithmes que d'entretenir les flux d'énergie et de matière. Est-ce que l'optimisation, y compris sur le plan émotionnel, des relations entre les humains, ne sert pas à un simple projet, on va dire thermodynamique,
de complexification de la réalité biosphérique, du système bio-anthropotechnique, qui soit totalement indépendant de notre projet de gouvernance et de souveraineté en tant qu'humanité, et qui produise un monde où les flux finissent par être générés par les instruments développés par Jeff Bezos. D'ailleurs, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Et ces flux-là, l'optimisation de ces flux-là, pourrait être, c'est une hypothèse farfelue, d'aucuns la trouveront farfelue, pourrait être ce qui va nous faire traverser la période la plus critique de l'humanité de façon très pacifiée, mais dramatique sur le plan écologique. Absolument dramatique sur le plan écologique. Je terminerai là-dessus. Merci. Merci, Vincent. Bon, beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Je sais que Pascal bouillonnait à mes côtés, donc je te laisse immédiatement la parole. Je bouillonne pas, je collapse. J'étais en train de m'effondrer sur moi-même, d'exploser, donc, mais c'était cohérent finalement, puisque de toute façon il n'y a pas de solution. Enfin, il y a quand même quelques éléments qui peuvent me faire réagir. Le premier, c'est d'entendre dire que l'entraide et la coopération n'est pas une valeur, donc la solidarité n'en est pas une non plus. Donc finalement, tout ce qui fonde le combat que mènent les écologistes n'a pas de sens en tant que tel. Donc effectivement, ça me fait réagir. Je pense que c'est une ânerie hors norme. Je pense également qu'il est une ânerie hors norme le fait de dire que la protection de l'environnement ou le fait de respecter l'environnement n'est pas scientifiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire scientifiquement prouvé, peut-être faut être au CNRS pour comprendre ça, mais c'est au fondement quasiment de l'essentiel des sociétés que nous sommes en train de détruire les unes après les autres, que ce soit en Amazonie, que ce soit dans un le fait de respecter son environnement, le fait de le protéger et le fait de se considérer comme une partie de cet environnement est au cœur même de tout un tas de civilisations humaines. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire scientifiquement avéré ou démontré. Ce que je sais, c'est que c'est par cette protection de son environnement que des peuples ont pu être très longtemps maintenu dans une situation qui était une situation de vie que nous avons, nous, détruit en venant avec nos logiques à la fois expansionnistes, à la fois oui, destructrices et destinées à piller leurs ressources et leurs économies et tout ce qui ont justement fondé leur civilisation. Mais en réalité, ça ne m'intéresse pas, ce débat. Je vais être honnête. Il est peut-être vrai ou pas. Je m'en fous. Je m'en fous parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là, moi, tout simplement, pour faire en sorte que dans l'environnement qui est le nôtre, et je parle de l'ensemble de son environnement, on essaye de faire en sorte que la situation de ceux qui souffrent le plus ne soit pas aggravée par nos actions. Alors ça paraît médiocre. C'est vrai que ça ne me projette pas en 2050 ni en 2300. Mais si demain je peux faire en sorte que moins de gens meurent en Méditerranée pour essayer de suivre la misère, si je peux faire en sorte que demain on ne bombarde pas des bus au Yémen avec des armes que nous avons nous-mêmes livrées, si je peux faire en sorte qu'au Rwanda, des gens ne se massacrent pas à la machette ou ailleurs, ou avec les armes aussi que nous leur avons livrées, tout simplement parce que le dérèglement climatique fait qu'on met maintenant en concurrence le pastoralisme avec, enfin, etc. Tout ça, je pense que je n'ai pas besoin de développer. Parce que ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors je peux dire, effectivement, je m'en fous. Et je peux dire que de toute façon, on est dans un tel phénomène que même si j'agis à la marge, même si j'essaye de faire en sorte que le flux migratoire et que les réfugiés soient hébergés, soient recueillis, soient traités de manière humaine, digne, je suis un minable par rapport effectivement aux enjeux planétaires, historiques, civilisationnels, etc. Peut-être. En attendant, je me coucherai le soir en ayant le sentiment d'avoir fait quelque chose pendant mon passage sur Terre. C'est médiocre, mais je m'en fous, je l'assume. Après, une fois que j'ai dit ça, la question sur laquelle moi j'étais amené à intervenir, et qui effectivement fait que tous les matins je me demande si ce que je fais est utile. Ça, c'est une vraie question, je suis d'accord.
Non pas que les autres ne soient pas des vraies questions. Je dis que ce sont des questions que moi, je ne me pose pas, parce qu'à la place qui est la mienne, je n'ai pas à me les poser. D'autres se les posent. Moi, je n'ai pas à les me poser. Je ne peux pas concevoir l'action politique d'un écologiste en dehors de la solidarité et du soutien à ceux qui sont dans la souffrance. Je ne peux pas. J'ai peut-être tort, mais je ne peux pas. C'est quelque chose qui m'est impossible. Donc moi, la question que j'ai à résoudre tous les jours, dans un environnement qui est un environnement que je n'ai pas choisi, hein, c'est Hannah Arendt qui disait « on ne choisit pas les contraintes dans lesquelles on agit ». Donc je ne choisis pas d'être né dans un moment d'une société, effectivement, qui a été très bien décrite, qui est ce qu'elle est, il n'y a absolument aucun doute sur cette société-là. Je ne peux pas m'extraire de cela, et je ne peux pas non plus attendre que cela se soit effondré ou cela soit transformé, pour agir. Donc, comment concrètement, effectivement, on peut répondre ? C'est pas que l'Europe. L'Europe, elle n'a pas en elle-même une réponse isolée du reste des politiques publiques. L'Europe n'est pas une espèce d'île. Je sais que certains essayent de la voir comme une espèce d'espace démocratique ou critiqué en tant que démocratie, mais que finalement, quand ça ne va pas, on l'enlève. Un peu comme si on disait le fonctionnement de la France ou des institutions françaises n'est pas bon, donc on supprime la France. Et on aura résolu quoi ? Voilà. Donc l'Europe n'est pas isolée du monde. C'est un espace démocratique insuffisant, qu'on peut critiquer par bien des aspects, mais qui se place au même niveau qu'une ville, qu'un territoire, qu'une région, qu'un pays. Et c'est un espace dans lequel nous devons trouver des politiques publiques qui nous permettent de résoudre. Au moins partiellement et au moins à court terme, les situations qui nous sont posées. La première des choses, effectivement, c'est, puisque la question migratoire est une question majeure, c'est la question, puisqu'on parlait des réfugiés climatiques, c'est la question du droit. Les réfugiés climatiques, en l'état, n'existent pas. C'est-à-dire que c'est un mot qui n'existe pas. Réfugié est un statut juridique humain qui est donné à des personnes qui sont obligées de fuir leur pays pour des raisons X ou Y, qui évoluent selon le temps. Par exemple, maintenant, les persécutions en raison de l'origine ou du sexe sont reconnues. Elles ne l'étaient pas dans le passé. Enfin bon, voilà, etc., etc. Ça, c'est le statut de réfugié qui fait que, normalement, ces personnes-là doivent être accueillies et protégées dans les pays où, effectivement, on reconnaît les valeurs pour lesquelles ils sont persécutés. Le réfugié climatique n'a pas de statut. Et donc les dizaines, les cinquantaines, les centaines de millions de personnes qui sont là déjà, aujourd'hui, maintenant, on est en train de parler d'une réalité. Enfin, les guerres du climat, les réfugiés climatiques, c'est maintenant, c'est pas une prospective. Ces personnes-là n'ont pas la capacité de demander l'accueil, le refuge, au pays qui serait en capacité de leur donner. Donc déjà, la première des choses, ce que l'Europe pourrait faire, c'est que l'Europe s'est toujours targuée d'être le phare de l'humanité en termes de pensée, des droits de l'homme, des droits humains, etc., etc. Donc la première des choses que l'Europe devrait faire, ça n'est pas de théoriser, mais de légiférer sur le statut de réfugié climatique. Et d'étendre donc au problème climatique, qui est un nouveau problème dans la succession de crises et de problèmes qui se posent à l'humanité. Donc cette question-là devrait être intégrée maintenant dans notre droit positif. C'est un premier élément. C'est parce qu'il faut aussi regarder ce que l'on fait et ce que l'on peut faire concrètement. Concrètement, c'est faire rentrer sous le statut de Genève et la protection de l'ONU les réfugiés climatiques. Ça, c'est une première chose. D'autant plus que, et on le sait, on est très largement responsable, évidemment. Nous, en tant qu'Occidentaux, on est très largement responsable de la situation. Deuxième des choses, et ça, c'est une vraie question politique, qui devrait aussi interpeller un certain nombre de nos amis de gauche. La question du nombre de réfugiés. Vous avez remarqué que maintenant, à la télé, un grand nombre de... Enfin, à la télé ou dans les endroits où on pense... On vient de nous expliquer, y compris des gens bien pensants traditionnellement de gauche, je viens de nous expliquer que finalement il n'y a plus de problème migratoire. Et qu'on est en train de se poser de fausses questions, parce que globalement on parle de 20 000 personnes en Europe. Et les gens qui vous disent cela sont des gens
pour l'essentiel, qui défendent les migrants et qui défendent les droits des migrants. Et qui disent, bah donc il n'y a plus de problème, arrêtez de nous emmerder avec les invasions, les flux, etc. Tout ça est maintenant un mensonge. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en disant cela, alors effectivement, c'est un instantané. C'est-à-dire que si vous faites une photographie là tout de suite, maintenant, au moment où on se parle, il y a effectivement une réduction drastique du nombre de migrants qui arrivent en Europe et qui demandent le statut de réfugié. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que vous avez une idée de la réponse ? Ils ne meurent pas tous en Méditerranée, bien entendu, ils en meurent beaucoup trop. Mais ils ne meurent pas tous en Méditerranée, ils sont passés où ? Exactement. On a fait des gares de triage. On a fait des camps. Et donc, ce que l'Europe a fait, puisqu'on parle de l'Europe, c'est qu'elle a investi des milliards qui ont été enlevés d'ailleurs pour une part au développement. Cela étant, si ça sert à rien, on peut se dire que finalement, c'est pas plus con. Non mais, si on veut pas déconner, si on est sérieux, c'est que ces milliards-là ont été pris, effectivement, essentiellement, dans les aides qui devaient être destinées aux pays et à la coopération avec les pays du Sud. Il y a beaucoup à dire sur la manière dont on coopère avec les pays du Sud, hein, et beaucoup de critiques à faire. Mais on a enlevé cet argent-là, et on a permis à des pays comme la Libye de devenir des pays sûrs, c'est-à-dire sûrs au sens juridique, sûrs au sens de la Convention de Genève, c'est-à-dire des pays où on peut redéplacer, entre guillemets, les populations parce qu'elles n'y sont plus en danger. Qui veut me faire croire qu'en Libye, on n'est pas en danger ? Qui veut me faire croire que les camps en Turquie sont des camps où il fait bon vivre ? Qui veut m'expliquer, parce qu'il n'y a pas que les camps en Turquie ou en Libye, qui veut m'expliquer que les camps de réfugiés palestiniens sont des camps où il fait bon vivre. Et donc, la difficulté que nous avons, et alors là, c'est un vrai sujet, et qui concerne et les écologistes, et la gauche en général. Je ne parle pas de ceux qui considèrent que les migrants sont des chiens, que de toute façon, d'ailleurs ils traitent les chiens de la même manière, que de toute façon, il faut laisser crever ou laisser dans leur pays. Je ne parle pas de cela, ils ne m'intéressent pas. Ce sont des ennemis, ce sont des adversaires, et ça on le sait. Mais je parle de nos amis, ceux qui sont à nos côtés. Comment peuvent-ils continuer à développer le fait que finalement il n'y a plus de questions migratoires et qu'on peut répartir les flux entre tranquillement la France, l'Allemagne, etc. Oui, tant que c'est les 50 de l'Aquarius. On peut y aller, on peut finalement se donner bonne conscience. Alors ça prend un peu de temps, il faut mettre un petit coup de pression sur le gouvernement, mais bon, à la fin, allez, bon, on en prend 18. Mais pendant ce temps-là, on en laisse des centaines de milliers, voire des millions, en Turquie, en Libye ou ailleurs. Donc la question que nous avons à poser, et celle-là est une vraie question, parce que c'est une question de crise, c'est comment on gère humainement, dans la dignité, dans la solidarité, comment on gère ces flux de population. Et ça, l'Europe ne veut pas se poser. En réalité, on ne veut pas se poser la question. Donc la réponse de l'Europe pour le moment est la réponse la plus con, la plus basique, la plus méchante qu'elle puisse trouver, mais la plus simple également, c'est d'utiliser, et c'est pas pour rien que vous voyez réapparaître un concept qui avait été totalement condamné par les gaullistes et par toute la droite européenne qui était celle d'une Europe de la défense. D'abord parce que l'Europe de la défense, elle servait à rien parce qu'on était sous le chapeau de l'OTAN et puis qu'il y avait les méchants rouges d'un côté, mais que heureusement les Yankees étaient là. Donc globalement, on était dans l'OTAN, tout allait bien. Bon, maintenant avec Trump, c'est un peu différent parce que quand il y a un taré à la tête des États-Unis, on se dit finalement, est-ce qu'il va sortir la cavalerie quand on va être en problème ? Bon, donc on commence à se dire, peut-être il faudrait qu'on prenne un peu d'autonomie. Mais la réalité, elle est beaucoup plus triviale que ça. C'est qu'on est en train de faire l'Europe de la défense pour monter les frontières. Et que oui, on va développer une flotte européenne. Ça va prendre juste le temps qu'il faut. Mais que cette flotte européenne, elle va avoir vocation à patrouiller en Méditerranée et ailleurs pour empêcher les migrants dans des accords de partenariat avec la marine libyenne. Une marine démocrate et humaniste, comme chacun sait. Et donc, la réponse de l'Europe pour le moment, c'est une réponse militaire qui consiste à mettre... Alors on le fait de manière plus intelligente que Netanyahou ou que Trump, c'est-à-dire qu'on ne met pas un mur comme ça, encore que Orban aimerait bien le faire. Mais bon, on essaye de le faire de manière un peu plus enrobée. Mais la réalité, c'est que la réponse de l'Europe, pour le moment, est une réponse, un, de sous-traitance de la question migratoire à des pays dans lesquels les conditions sont inhumaines, et deux, en montant des barrières qui sont des barrières et des frontières plus ou moins efficientes,
pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'intégration. Et en faisant cela, en réalité, on évite de se poser la question qui est de savoir comment gérer ce développement, parce que s'il y a effectivement une évidence, c'est que ça ne va pas s'arrêter demain. Et que la question, on le voit sur l'ensemble des conflits, quand on voit tout simplement la question de l'eau, il suffit d'être allé, je prenais tout à l'heure l'exemple des Palestiniens, mais aller faire un tour en Palestine, en Cisjordanie occupée, et regarder comment le partage de l'eau s'y opère. Le rapport, en gros, il est de 1 à 18, entre les colonies et les villages palestiniens. C'est pas un hasard. Évidemment, c'est pas un hasard. C'est parce que ça devient une ressource absolument majeure et essentielle, et que donc elle est appropriée par le dominant et par donc l'occupant. Donc, sur cette question-là, je dois dire qu'il y a là au quotidien, là maintenant concrètement, ik ent nu, comme disait l'autre, il y a vraiment à agir. Parce que la réponse militaire qui est en train d'être mise en place par l'Europe est évidemment la mauvaise réponse. L'extraterritorialité et la non-reconnaissance du statut de réfugié est un refus de l'état de droit, un déni de l'état de droit et un déni de nos valeurs et de solidarité. Après, pour le reste, et juste pour terminer là-dessus, parce qu'après je suis trop long, mais pour le reste... La question du réchauffement climatique, la question des énergies, la question de l'agriculture pour nourrir, etc. Peut-être on la résoudra pas à long terme. Peut-être. Je sais pas. Je suis incapable de me projeter aussi loin. Mais ce que je sais, c'est qu'on pourrait déjà arrêter un certain nombre de choses qui sont de nature à détruire des équilibres et dont nous sommes directement responsables. Le fait, par exemple, de développer en Occident, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, un élevage intensif, n'a pas simplement vocation à faire en sorte que les vaches seront enfermées dans des conditions concentrationnaires et qu'on bouffera une bouffe dégueulasse avec des antibiotiques et toutes les saloperies. Ça, c'est une réalité au quotidien pour nous, pour notre nourriture et pour les pauvres vaches. Mais la réalité, c'est que ce schéma-là, implique le fait qu'on désaffecte nos prairies, etc., puisque de toute façon, elles ne peuvent plus être nourries en prairies. Donc, on importe, et là aussi, du soja transgénique du Brésil ou d'ailleurs. Donc, on déforeste au Brésil. Donc, on supprime, selon la belle formule, on remplace la pauvreté par la misère. C'est-à-dire qu'effectivement, un paysan du Nord-Est, c'était pauvre. Parce que le nord-est brésilien, il l'est encore plus maintenant. Mais le nord-est brésilien, c'était pauvre. Mais il arrivait quand même à se nourrir, lui et sa famille. Là, il n'y arrive plus. Et donc, on l'enlève de ses terres, on y met des produits qui sont destinés à nourrir nos vaches, et lui, il part remplir les favelas, que ce soit à São Paulo ou ailleurs au Brésil. Ça, on peut l'arrêter. Ça, on peut l'arrêter. C'est pas compliqué. Il suffit de prendre des lois qui interdisent l'exportation du soja OGM. Et oui, on va se prendre la FNSEA en pleine poire. Ben, c'est un combat. Mais ça, ce sont des combats politiques. Et ce sont ces combats politiques que les écologistes, pas que, hein, on n'est pas, mais que ce sont les combats que nous devons mener. Et que nous devons gagner. Pour l'humanité avec... l'humanité au sens civilisationnel, c'est-à-dire qui concerne également tout le vivant, pas simplement l'humanité au sens être humain. Ces combats-là, le combat pour l'eau, le combat pour la terre, le combat pour l'air, est un combat auquel nous ne devons pas renoncer. Voilà. Donc, l'Europe, le rôle de l'Europe, c'est de faire en sorte de comprendre que si on continue dans des accords de libre-échange, à être dans une logique où moi je fais de l'exploitation intensive agricole, je fais de la céréale à tour de bras, même quand j'ai plus besoin de céréales, mais c'est pas grave, je les exporte. Et je fais par ces accords de libre-échange, je fais en sorte qu'on détruise la possibilité pour les populations au sud de vivre, tout simplement, selon la formule de Gandhi, mais ou être digne, tout simplement digne, eh bien, nous allons vers une situation qui est une situation qui est celle que nous connaissons, mais qui va s'aggraver. De guerre, de barbarie, de violence, et que nous pouvons au moins, dans une moindre mesure, peut-être on ne peut pas l'empêcher, peut-être j'enlève le peut-être,
certainement ou sûrement au sens étymologique du terme, on ne peut pas l'empêcher. Mais on peut peut-être essayer de balayer devant notre porte. Et on peut peut-être essayer de faire en sorte que certaines misères soient à minima réduites. C'est peut-être la seule chose que nous pourrions faire, mais ça serait, et c'est notre honneur, d'essayer de le faire. Après, je ne sais pas si on va réussir, je ne sais pas si on fera en sorte que le soja OGM et que la déforestation ou de l'huile de palme ou ailleurs soit arrêtée un jour, et peut-être qu'on trouvera d'autres saloperies à faire à ce moment-là pour le remplacer, peut-être, peut-être. Mais en attendant, moi, je pense que c'est de notre devoir. Alors c'est un mot un peu con, un peu dépassé, mais je pense que c'est de notre devoir de faire en sorte qu'au maximum, de nos capacités, on œuvre pour que nos villes, nos territoires, nos pays, et donc nécessairement l'Europe, soient le ferment, le levier de cette transformation, je répète, peut-être réformiste, médiocre, de petits pas parfois, dit-on, mais qui peuvent être, vous savez, vus dans certains cas, je prends souvent cet exemple et je termine là-dessus, les congés payés en 36. Vous regardez par rapport au capitalisme, ça n'a pas changé le capitalisme, ça ne l'a pas fait s'effondrer, ça n'a pas écroulé le monde, ça n'a pas empêché Blum ou les autres d'avoir une vision en disant de toute façon, tant qu'on sera dans un système capitaliste, il n'y aura pas d'émancipation. Oui, d'accord. Mais les congés payés, ils ont juste permis à des gens entre le point A de leur naissance et le point B de leur mort, de pouvoir, à un moment de leur vie, pouvoir profiter avec leurs enfants ou autres de vacances, de découvrir la mer ou découvrir la montagne. Pour eux, c'est révolutionnaire. Parce que ça a bouleversé leur vie. Ça n'a pas eu un effet révolutionnaire sur la société, mais ça a eu un effet révolutionnaire pour eux, pour leur vie au quotidien. Et donc, il faudrait peut-être qu'on pense la même chose pour la nature, la même chose pour le vivant en général, et qu'on se dise, oui, on n'est pas en capacité de révolutionner le monde, mais on peut, sur certains aspects de ce monde, ou pour certaines personnes qui souffrent particulièrement de ce monde, on peut peut-être révolutionner leur quotidien. Un gamin qui ne se prend pas une bombe tous les matins à Gaza, ou au Yémen ou ailleurs, il a une vie révolutionnée. Et ça, on peut le faire. Parce que les armes qui bombardent à Gaza, les armes qui bombardent au Yémen, etc., ce sont les nôtres. Ce sont les nôtres. Donc voilà, c'est ça le rôle de l'Europe, en tout cas tel que je le conçois. Je conçois que ce n'est pas facile, je conçois que ce n'est pas gagné, mais je pense que c'est, encore une fois, c'est de notre devoir de nous battre pour cela. Merci Pascal. Oui, tu as une minute. Une minute, parce que, oui, avant que tu nous quittes, si j'ai quand même bien compris, je n'aurais pas conclure à côté de ce que tu nous as dit. L'Europe, quand même, face à la question de départ que je te posais, est très en deçà de ses responsabilités. Elle n'est pas plus en deçà, mais si tu veux me dire elle est en deçà, la réponse est oui, mais elle n'est pas plus en deçà que l'État qui les compose. C'est-à-dire que chacun des États, les politiques mises en œuvre, je veux dire... Si tu regardes le discours d'Emmanuel Macron, par exemple, quand il va à la tribune de l'ONU et qu'il vient dire, et je ne sais pas s'il est de bonne foi ou pas, je ne lui fais pas de procès d'intention, quand il va dire à la tribune de l'ONU, il faut que nous arrêtions tous les accords commerciaux avec les pays qui ne respectent pas l'accord de Paris. Très bien. Très bien. Mais d'abord, il ne peut pas le faire tout seul, parce que les accords commerciaux sont négociés pour l'essentiel au niveau international, c'est le multilatéralisme qu'au demeurant, il défend. Donc, bon. Mais indépendamment de ça, si demain j'arrête, je ne livre plus d'armes à l'Arabie Saoudite, je veux qu'il aille expliquer ça à la SNECMA, à la sortie de l'usine de la SNECMA, très bien. Je ne livre plus de missiles, je ne livre plus et je ne fais plus commerce avec la Chine, puisqu'on vient de s'apercevoir que la Chine avait redéveloppé de manière intensive son charbon, sans le déclarer d'ailleurs. Je ne fais plus de commerce avec les États-Unis, enfin, etc., etc., etc. Donc, là aussi, il faut être dans un monde qui est un monde réel. J'en veux à la classe politique d'une manière générale. Et ça, c'est pas que Macron, c'est vrai pour tout le monde. J'en veux à la classe politique de mentir sur notre levier et sur notre capacité à agir. Notre capacité à agir reste essentiellement médiocre. Mais on a des capacités à agir. Si on arrive et qu'on dit plus de commerce avec un pays qui... Ça, c'est mentir aux gens. Et je le dis peut-être de bonne foi. Il est peut-être de bonne foi. J'en sais rien.
Mais sauf que c'est pas possible. Mais en revanche, on a des choses qui peuvent être possibles demain matin. Si on pose un embargo, le Parlement européen a revoté encore la semaine dernière, dans cette semaine, un embargo sur les armes, parce que effectivement l'utilisation des armes européennes au Yémen est quasiment un crime contre l'humanité, puisque quand on en est à tuer des enfants, c'est un crime contre l'humanité. On peut agir là-dessus. On peut agir. Donc sortons des grandes ambitions, gardons-les, portons-les. Mais au concret, jour après jour, on peut agir sur ce monde. Encore faut-il avoir le courage de le faire et de se fixer des objectifs. Et là, je me tourne vers mes amis écologistes. Parce que ça, c'est une remise en cause qu'on a aussi à faire. Peut-être qu'on fixe des objectifs qui sont des objectifs trop hauts et trop élevés. Peut-être qu'il faudrait aussi réfléchir à ce que l'on peut gagner concrètement, là, réellement. Je prenais l'exemple des congés payés, je répète, ça a changé la vie de millions de gens en France. Et c'est un objectif qui, par rapport, et là je le dis, et vous connaissez mes origines, apparaissait bien médiocre par rapport aux révolutionnaires et notamment au Parti communiste. Bien médiocre pour changer le capitalisme. Mais en attendant, je répète, il a changé la vie de millions de gens. Peut-être que nous, peut-être, on serait bien inspiré aussi à essayer de se définir des objectifs. Sinon, ça ne sert à rien de se battre, par exemple, pour l'interdiction du glyphosate. Il y aura d'autres pesticides demain qui le remplaceront, et peut-être bien pire. Donc laissons le glyphosate y aller, les amis. Non, on n'est pas comme ça. Donc voilà. Et essayons de nous fixer aussi au quotidien des objectifs à gagner, des combats à mener. On a des adversaires là-dessus très puissants, et soyons unis pour les gagner. Voilà, c'est une réflexion, hein. Je ne suis pas sûr d'avoir raison, moi non plus, en disant ça. Mais en tout cas, j'en suis un peu à ce stade-là de ma vie politique. Voilà. Bon. Merci Pascal. Et rentre bien. Oui, merci à vous. Allez. Bien, pour terminer donc cette table ronde. Je suis désolé. J'ai vraiment mon train. Non, mais pas de problème. Marine, je t'avais demandé un peu d'intervenir plus spécifiquement sur la question donc des réfugiés climatiques. De leur statut, bon, on l'a un peu évoqué là avec l'intervention de Pascal à l'instant et ce matin, mais aussi plus globalement de voir un peu comment effectivement le monde s'adapte aujourd'hui ou ne s'adapte pas à cette question des réfugiés climatiques. Je te laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Pour rebondir directement sur ce que Pascal disait, je pense que au niveau du droit, en tout cas au niveau de la sphère juridique, l'objectif... Enfin, les grands objectifs sont quasiment impossibles à atteindre puisque le droit est une sphère extrêmement conservatrice, encore très humano-centrée. Et donc le fait de faire rentrer la protection de l'environnement, la considération du changement climatique est déjà très récente et elle est très difficile. Pour refaire peut-être un point un peu plus général de définition sur le concept de migration environnementale, de tout temps, la migration pour des facteurs environnementaux ou climatiques a existé. Elle s'est faite parfois dans des conditions extrêmement violentes, après des catastrophes naturelles, après des saisons arides. Donc l'homme s'est habitué, enfin, à se déplacer sur des territoires souvent proches du lieu de départ pour des raisons climatiques et environnementales. Ce qui change aujourd'hui dans un contexte de réchauffement climatique, c'est que ces migrations s'accélèrent, elles s'aggravent et elles se couplent à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Et donc on se retrouve face à des migrations qu'on qualifie de deux types en sciences politiques. Les migrations rapides, forcées, liées à une catastrophe environnementale et les phénomènes de slow onset, en fait, de temps long, qui sont liés plutôt aux effets du changement climatique. Et donc face à ces deux types de migration se pose évidemment la question de la protection juridique, de la reconnaissance d'un statut et de droit pour ces personnes qui se retrouvent déplacées, forcées. Et on nage aujourd'hui dans un océan très inconnu dans le droit international, puisque, comme le disait également Pascal, le seul texte aujourd'hui en droit international qui permet une protection juridique, c'est la Convention de Genève de 1951, et c'est un texte extrêmement anthropocentré. C'est-à-dire qu'il ne se concentre que sur la nature d'une persécution liée à l'humain, au caractère humain. On donne une protection juridique à un individu lorsqu'il fuit un conflit humain, lorsqu'il fuit un génocide, lorsqu'il fuit une violence liée à son genre ou son orientation sexuelle. Mais jamais le critère environnemental ou climatique n'est apparu. Il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que le champ de l'environnement et du climat a pénétré très tardivement
la question des migrations. On a commencé à parler de migration environnementale dans les années 80. C'est le professeur Elinaoui, qui était le président du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a commencé à évoquer ce terme en Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, doucement, certaines organisations internationales ont commencé à se positionner sur le sujet. Certaines ONG ont repris ce terme à leur acquis. Mais les grands juristes et les sphères du HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies et l'Organisation internationale des migrations, sont restés au début extrêmement sceptiques et extrêmement effrayés à l'idée de devoir accorder une nouvelle protection à une catégorie de population énorme. Aujourd'hui, quand on parle de réfugiés climatiques, on parle de 250 millions de personnes. C'est absolument délirant. Et il est très difficile de quantifier ces migrations. Il est très difficile aussi de savoir à quel moment on attribue un statut, à quel moment on attribue une protection et à quel moment on s'appuie sur l'État pour que ce soit lui qui fasse ce devoir de protection. Quand on parle de façon générale de la question des migrations, on touche toujours à cette question géopolitique, du territoire, de la souveraineté, de la crainte de l'ingérence. Et c'est pour ces raisons aussi que les organisations internationales sont extrêmement fébriles sur cette question. Le HCR aujourd'hui est complètement dépassé et débordé par ce que l'on appelle la crise des réfugiés ou la crise des migrants, même si je trouve ce terme extrêmement violent politiquement. Le HCR se retrouve aussi dans un espace où on est face à un effondrement du multilatéralisme fondé sur la coopération et la solidarité. Et ça, c'est très fort. L'élection de Trump, elle a eu aussi un impact direct sur les dotations au financement des organisations internationales. Le HCR s'est vu vidé de ses financements pour un certain nombre de projets dans un certain nombre de pays. C'est aussi une démarche politique très forte. D'autres organisations, notamment le Haut Commissariat aux Nations Unies des Droits de l'Homme, s'est vu aussi réduire ses budgets. Donc on s'aperçoit que les États veulent moins dépendre, ou en tout cas veulent moins participer à cette utopie universaliste qu'on a eue post-Seconde Guerre mondiale, de créer un cadre universel des droits de l'homme, respecté et protégé par tous les États, de garantir une protection juridique reconnue par les États. Et ça, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai travaillé il y a 2 ans au Haut Commissariat aux réfugiés pour les Nations Unies en Inde, à New Delhi, et Narendra Modi venait juste d'être réélu. Et c'était assez fort, en fait, comme moment, parce que le HCR a historiquement un positionnement compliqué avec l'État indien. Le fait que la partition se soit très mal passée, que la Société des Nations n'ait pas du tout aidé l'Inde et le Pakistan naissant à gérer ces flux de population, a marqué aussi l'historique avec le HCR. Mais toujours est-il que le HCR est arrivé dans les années 70, à un certain nombre de prérogatives, de possibilités juridiques d'accorder un statut de protection aux ressortissants afghans, bangladais, pakistanais, et que tout ça s'est plus ou moins écroulé avec l'arrivée d'un nationalisme très fort de Narendra Modi et surtout la crainte sécuritaire d'une invasion des Bangladais en Inde. Et ça, c'est très fort, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des rapports qui sortent. On sait que le Bangladesh est l'un des pays les plus exposés et les plus vulnérables à la question du changement climatique. Pour y avoir été l'année dernière, on se retrouve dans des territoires au nord du Bangladesh qui sont à 1 mètre au-dessus du niveau de l'eau. Des personnes, des milliers de personnes, des millions de personnes qui sont obligées de se déplacer d'une année sur l'autre, d'un territoire insulaire à un autre parce qu'elles ne peuvent plus vivre. Et donc se pose la question pour ces gens-là. Une fois le départ des zones rurales, une fois la surpopulation des villes dépassée, une fois qu'on sera dans une situation où ce sera ingérable, il n'y aura que la migration transfrontalière qui sera possible. Et aujourd'hui, l'Inde est en position de crainte et en position de force, évidemment, pour contrôler ce flux de population. Et donc, on a vu ce premier mur migratoire s'élever en Asie du Sud, entre l'Inde et le Bangladesh, entre 2 pays qui, historiquement, ne sont pas non plus des ennemis. C'est-à-dire que le Bengale, donc le Bangladesh est un pays c'est un état de droit assez récent, dans les années 60. La culture qu'on retrouve dans le Bengale est très forte de la culture bangladeshi. La nourriture est la même, la langue se ressemble beaucoup. Et malgré tout, cette dérive sécuritaire et cette crainte de la grande invasion climatique, enfin des réfugiés climatiques, elle prend tout son sens aujourd'hui en Asie du Sud. Et c'est là où je suis personnellement très sceptique et très effrayée sur le positionnement de l'Union européenne sur ces questions-là, pour 2 raisons. La première est que l'Union européenne a tendance à se réfugier dans la stratégie d'adaptation et d'atténuation en disant « on va continuer à financer le développement dans les pays
d'Afrique de l'Ouest, dans les pays d'Asie du Sud, en disant adaptez-vous au changement climatique, on vous aide à structurer, on débloque des fonds pour les infrastructures routières, pour un nouveau type de maison, pour des nouvelles sortes d'agriculture, mais elle n'attaque pas le fond du problème à la racine. Et la seconde crainte que j'ai actuellement, c'est que je m'aperçois que l'Union européenne va devoir faire aussi face à des migrations environnementales en interne et dans ses frontières. Et donc, il est fort à parier que cela va aussi fragiliser ou déséquilibrer, en tout cas, des relations inter-États dans cet espace régional de gouvernance européenne. Et on en a parlé un petit peu ce matin, le recours qui a été déposé en mai dernier devant la Cour de justice de l'Union européenne, donc le People Climate Case, qui est porté par le Climate Action Network, révèle aussi qu'en France et dans d'autres pays de l'Union européenne, on se retrouve avec des ressortissants qui n'ont plus du tout les moyens de cultiver, de produire sur leur sol, de vivre normalement, et qui vont devoir ou bien être indemnisés, ou bien se déplacer pour retrouver une vie normale. Et ça, c'est de la migration environnementale. Sauf qu'elle se fait de façon interne, elle se fait à une échelle géographique de 5 ou 10 kilomètres. Et donc, on reste toujours dans cette prérogative d'État, où on espère qu'en fait, le pouvoir régalien assurera aussi la protection de ses ressortissants. Quand on est dans des États qui deviennent défaillants, qui sont affaiblis, comme c'est le cas du Bangladesh, pour beaucoup d'autres raisons que des raisons climatiques, là se pose vraiment la question de la coopération et de la solidarité internationale, et aussi des contre-pouvoirs qu'on peut avoir en tant qu'État, devant les Nations Unies, à Genève. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans ce flou où aucun État ne veut vraiment se saisir de la question. Alors on en parle de plus en plus, régulièrement, à toutes les COP. Les pays insulaires du Pacifique ont fait beaucoup pour la reconnaissance de cette question. Et dans l'accord de Paris, on retrouve cette notion de climate migration. C'est la première fois qu'un accord sur le climat intègre cette dimension migratoire. Donc il y a des choses qui se font. L'année dernière, le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les droits de l'homme a reconnu dans une résolution qui a été votée à Genève, le fait que le changement climatique contribue et affecte le respect et la jouissance des droits de l'homme. Donc peut-être que petit à petit, on peut se tourner vers ces espèces d'entrefilets du droit. Moi, je vois le droit comme une immense toile d'araignée. Il est jamais possible de réussir du premier coup, de s'appuyer sur un article de loi, sur un texte. Ça n'existe pas. Par contre, comme le disait Marie ce matin, Marie Toussaint, la jurisprudence et de notre côté, moi j'y crois vraiment, le fait d'avoir de plus en plus de plaintes, de recours qui seront déposés, le fait d'avoir des juges qui rendent des décisions en s'inspirant de textes, de la coutume, de la pratique internationale, le fait de s'appuyer sur des textes internationaux qui, même s'ils sont mous, cultivent aussi cette logique de la protection de l'environnement, ça va peut-être nous permettre un jour de faire rentrer en droit français positif, en droit interne, la protection ou en tout cas l'indemnisation des personnes déplacées par le changement climatique. Et je ne sais pas si j'ai encore du temps. Bon. Autre chose, la limite de ce positionnement sur les migrations environnementales, elle est donc, on a dit, extrêmement politique. Et puis, elle pose aussi un certain biais scientifique et de définition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de juristes et universitaires ont du mal à s'accorder sur un type de définition. Est-ce qu'une personne est réfugiée écologique, réfugiée environnementale, réfugiée climatique ? Environnement et climat, en droit, ça n'a rien à voir. Dans la question environnementale, on intègre aussi la dimension anthropocentrée, l'activité industrielle polluante, on peut intégrer la dimension nucléaire. Ça peut être une force de frappe, ça peut être une force de lobbying de dire on décide, on promeut la reconnaissance d'un statut pour des réfugiés environnementaux. Comme ça, on peut indemniser les victimes d'accidents industriels, on peut indemniser les victimes d'accidents nucléaires. Si on s'intéresse à la question du réfugié climatique, moi j'ai le sentiment qu'on va se dédouaner. Vous voyez, quand j'étais en Inde et au Bangladesh, c'était très intéressant de discuter avec des associations locales, parce qu'elles parlent du changement climatique comme si c'était quelque chose de complètement extérieur. Et c'est toujours la faute du changement climatique, c'est toujours le changement climatique qui est l'accélérateur ou l'aggravateur des problèmes de leur quotidien. Et jamais je n'ai entendu quelqu'un me dire, mais en fait, c'est à cause de l'activité industrielle des hommes et c'est à cause des gaz à effet de serre que le changement climatique est là et qu'aujourd'hui il m'impacte et qu'aujourd'hui il me rend vulnérable. Et donc se réfugier dans le climat, c'est d'une certaine façon, enfin en tout cas à mon sens, c'est d'une certaine façon se dédouaner aussi de nos responsabilités industrielles, nucléaires, la façon avec laquelle on cultive, la façon avec laquelle on investit aujourd'hui dans les pesticides. Et ça c'est quelque chose qu'il faut changer, il faut se positionner là-dessus.
Bon, peut-être qu'il faut se positionner petit pas par petit pas, mais en tout cas, à partir d'une définition juridique restreinte, ce sera déjà une limite, à mon sens. La deuxième chose à faire, c'est que dans ce contexte géopolitique de tension, de recrudescence du nationalisme, du recrudescence de sentiment d'asseoir la souveraineté nationale, j'ai très peur qu'on se heurte aussi à la crainte de la théorie du freerider, c'est de dire, oula, si je suis le premier État à reconnaître un statut pour une personne déplacée, pour des personnes déplacées par le changement climatique, je vais avoir affaire à des millions de demandes, je n'ai pas du tout les structures internes pour réagir et répondre à cette demande, et les États européens vont se dédouaner. Et là, on peut se retrouver dans le même tracas et la même désolation dans laquelle on est aujourd'hui avec la question de l'asile, enfin la politique migratoire de l'Union européenne, c'est-à-dire que les pays d'accueil deviennent les pays en charge de tout ce qui doit, de tout ce qui se passe, de toute la protection qui doit être assurée. Et je pense que sur les questions de migration environnementale, aucun État n'a envie de prendre ce risque-là. C'est évident. La dernière chose, c'est aussi la projection de long terme. Accueillir une personne déplacée par le changement climatique, c'est très compliqué d'envisager dans les politiques publiques, dans la conscientisation aussi des techniciens qui travaillent sur les politiques migratoires, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui arrange tout le monde dans le droit français avec le droit d'asile, c'est qu'une personne est accueillie sur le territoire français, jouit d'un certain nombre de droits, une fois que le conflit est terminé, la personne repart. Dans la question des migrations environnementales, quand on va se retrouver avec des territoires qui sont submergés par les eaux, qui deviennent complètement invivables pour des questions de hausse des températures, de risque d'inondation, de sols infertiles, il n'y a plus de territoire en fait, il n'y a plus de négociation possible. Et donc là, on se retrouve dans une situation d'apatridie, et le droit est complètement démuni face à ça. Il y a un certain nombre d'accords mous en droit international qui reconnaissent là encore, une logique de coopération ou de prévention du risque contre l'apatridie. L'idée est que, comme tout État qui s'engage à respecter les droits de l'homme, tout État s'engage à ne pas mettre des citoyens dans une situation d'apatridie. Mais si demain les îles Fidji sont submergées, voilà, il n'y a plus de territoire, il va falloir vraiment se poser la question de l'accueil. Et la question de l'accueil, elle est très dure aussi à conceptualiser, parce que qu'est-ce qu'on fait de l'état d'origine ? Qu'est-ce qu'on fait de la souveraineté ? Qu'est-ce qu'on fait de la culture ? Et ça, c'est très fort quand vous avez des ressortissants des îles Kiribati qui s'installent en Nouvelle-Zélande, ou en Australie, qu'on place dans des zones pauvres, éloignées de tout centre urbain, sans possibilité de reconstruire leur culture, avec des sols différents, avec un accès à l'éducation très faible, on paupérise, on ghettoise des personnes qui n'ont à la base rien demandé, qui sont uniquement des victimes de notre responsabilité en tant que pollueurs, et on les place dans cette situation-là, et on leur donne des espèces de camps aménagés, des territoires un peu subalternes, où on leur dit, voilà, on est quand même gentil de vous accueillir, on vous donne un permis de séjour, mais quel est l'intérêt de donner un permis de séjour à un individu qui a perdu son territoire ? Enfin, ça n'a pas de sens, c'est complètement absurde. Et donc là encore, il va y avoir un gros sujet, je pense, politique à mener sur les questions migratoires, sur les questions de sécurité, et il va vraiment falloir agir sur cette question de solidarité et de coopération. Et c'est là où je suis pleine d'espoir, parce que j'ai 25 ans et je refuse d'être démoralisée maintenant. Sinon, je ne ferai pas de l'écologie et je ne ferai pas une thèse en droit. Mais c'est aussi très dur de s'apercevoir que l'Union européenne a l'air d'avoir des œillères énormes sur cette question-là. Alors que pour moi, le prochain sujet, c'est la guerre des ressources. C'est les flux de population liés à la diminution ou à la perte des territoires. Et on n'est vraiment pas au bout de nos peines. Merci, Marine. Là, écoutez, il nous reste environ 10 minutes pour quelques questions dans la salle. Je ne sais pas qui passe le micro, personne pour le moment. Hop. Oui, une question. À votre avis, monsieur Mignereau. Est-ce que vous avez un avis sur la capacité maximale de la Terre à supporter la population des êtres humains ? Parce que dans un scénario où on entre dans des guerres, ou même dans un scénario
où le changement climatique détruise des populations en masse parce que, par exemple, l'île se trouve submergée et personne n'accueille personne, donc on élimine radicalement. Qu'est-ce qu'on pourrait viser comme population acceptable de l'animal homo, soi-disant sapiens? Est-ce que votre question est une question à terme? Oui. Bon. Alors, est-ce que la question de madame est une question de la soutenabilité de l'humanité à terme? Comme je le disais en introduction tout à l'heure, l'anthropologie montre que la démographie humaine historique est liée à ces techniques. Voilà, c'est le biface qui a permis de monter la population à jusqu'à 6 millions de personnes. Et ensuite, l'agriculture qui a fait exploser littéralement la capacité de charge de la planète au prix de la destruction de l'environnement, puisque, effectivement, alors je peux même faire une parenthèse, le développement de l'agriculture directement était un abattage de forêts, donc une destruction des écosystèmes directs. Après l'extinction de la mégafaune, bon, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais je fais une parenthèse sur l'hypothèse Rudiman. L'hypothèse Rudiman n'est pas vérifiée, c'est important, mais elle est très intéressante. L'hypothèse Rudiman montre que peut-être, depuis 6 à 7 000 ans, le développement de l'agriculture, qui en soi fait que les sols émettent du CO2 et du méthane, voilà, parce qu'on change la chimie des sols, la biologie des sols, donc les sols émettent du CO2 et du méthane, en soi, depuis 6 à 7 000 ans, l'humanité aurait peut-être déjà modifié le climat. C'est-à-dire que des périodes froides, voire glaciaires, auraient dû se produire au cours des 6 à 7 derniers milliers d'années, et ne se sont pas, selon certains chercheurs, produites à cause de l'agriculture. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point le développement des techniques de l'humanité, de très longue date, a eu un impact sur l'environnement, à des ampleurs qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on ne comprend pas très bien. Et cette capacité de charge dont je vous ai parlé est liée bien sûr à la santé de la biosphère. C'est-à-dire que les 6 millions d'humains, pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, ont vécu dans ce que nos récits bibliques ont appelé le paradis, quoi, enfin le paradis originel. Au sens où c'était le maximum de biodiversité que nous pouvions exploiter. Nous avons même fait des jardins en Amazonie, après avoir décimé la mégafaune qui était présente en Amérique du Sud, on y a fait littéralement des jardins avec une très grande biodiversité. Mais ça, c'était parce que, effectivement, même si le climat était éventuellement modifié plus ou moins localement, la santé de la biosphère était très bonne. Nous n'allons pas nous diriger dans un état de la biosphère, ni dans un état de bonne santé, et surtout, c'est la plus grosse contrainte, ni dans un état de stabilité. Je parlais tout à l'heure de l'effet de la reine rouge. La contrainte de l'effet de la reine rouge, c'est de devoir réagir à des variations environnementales, principalement. C'est ça qui nous motive à développer ou pas des techniques. Alors, je réponds du coup à M. Durand tout à l'heure. Je ne dis pas que l'humanité est toujours en soi destructrice. Ce n'est pas le propos. Je dis qu'elle a un potentiel de destruction, voilà, de dérégulation de l'exploitation des ressources, et que ce potentiel varie en fonction des circonstances. Et que l'humanité n'ayant jamais eu pour velléité de s'autodétruire, ou en tout cas comme intention de s'autodétruire, à chaque fois qu'elle a eu besoin de réduire la voilure pour arrêter d'impacter son environnement, elle l'a fait. C'est comme ça que, dans certaines périodes de l'histoire, elle a abandonné des techniques, quitte à en oublier l'usage, littéralement. Le Japon a refusé l'usage de l'arme à feu pendant 2 siècles parce que c'était contre-productif pour le bon fonctionnement du pays. C'était très récent, de 1600 à 1900, à 1800 et quelques. Lorsque les chasseurs-cueilleurs ont exterminé la mégafaune, après ils ont oublié les techniques de chasse puisqu'il n'y avait plus de mégafaune. Voilà. Ils ont aménagé leur environnement, ils l'ont rendu stable selon leurs critères à eux, et puis ils ont ensuite désinvesti des techniques qui étaient inutiles et destructrices. La stabilité, c'est ce qu'on cherche. Mais cette stabilité n'est possible que si l'environnement lui-même est stable. Or, aujourd'hui, nous n'avançons que vers un dérèglement climatique qui engendre de l'instabilité, donc de la contrainte technique qui va nous obliger à déployer encore plus de techniques pour lutter contre les dérèglements climatiques. C'est ça l'effet de la reine rouge. Et c'est là où je réponds plus ou moins directement à votre question. Je suis parmi les plus réservés sur la capacité de survie tout court de l'humanité à terme.
pas dans les décennies qui viennent, mais probablement ou peut-être au cours du siècle prochain. J'entendais quelqu'un tout à l'heure parler de Dominique Bourg, qui lui-même, Dominique Bourg, philosophe à l'Université de Lausanne, qui lui-même n'est pas très optimiste sur la survie au-delà du 22e siècle. On va prendre peut-être une ou deux questions très rapides pour qu'il y ait une ou deux réponses rapides également. J'ai le micro, mais pas le pouvoir. Rapide. Bon, Pascal Durand est parti, dommage, mais il a été un des contributeurs des 13 actions, plans d'action que nous devons mener donc dans les campagnes. Donc, c'est pas, on part pas de zéro. En ce qui concerne M. Vincent, bon, évidemment, je ne partage pas, loin de là, je serai plutôt sur la ligne de Pascal Durand, des petits pas pour en faire avancer. Attention métaphore, ce qui compte, ce que vous avez dit par rapport pourquoi on continue à produire des armes nucléaires trois fois pour la capacité de destruction sans savoir simplement parce que l'autre continue. Il y a quand même une lueur d'espoir minime. Ça a été il y a 30 ans à Reykjavik entre Gorbatchev et Reagan où ils ont négocié un plan en effet option zéro hein, d'escalade, de 60 000 ogives, on en est à 15 000. Il fallait faire encore un effort camarade. Mais les politiques, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Vous avez des politiques qui sont sincères, loyales, il a cité peut-être Macron qui a double langage, certes. Mais s'ils font un appel, c'est là où on peut jouer là-dessus. Si les politiques jouent le jeu en dehors de la COP21, ou la main sur le cœur en disant on fera un effort, alors chiche, mettez l'argent en effet conséquent sur la table pour en effet qu'il y ait vraiment des plans de décarbonisation sincère et technologiquement possible. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Laissons de côté les sceptiques. Prenons les optimistes, le verre à moitié plein et non pas à moitié vide si on veut avancer. Une question, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question pour Vincent Mignoreau. J'étais très intéressé par votre exposé, à la fois en termes de méthodologie et, j'allais dire, de perspective. Par contre, je m'interroge sur le postulat. Vous allez me répondre, me rassurer ou pas, je ne sais pas. D'autant plus que j'ai regardé un peu vos travaux et un certain nombre de vos interviews, enfin, de vos conférences. Et il revient régulièrement un certain nombre de termes qui me rappellent des travaux des années 60-70, notamment de Konrad Lorenz, que vous connaissez. Et donc la question est la suivante, c'est que depuis une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années, surtout une dizaine d'années, il revient en force quelque chose qui a été contesté à l'époque, dans les années 70, qu'on appelle le biologisme social. Ma question brute, parce que vous avez été un peu dru à la fin, donc ma question est brute. Y a-t-il, dans votre, qui est tout à fait, c'est votre droit, est-ce que dans votre approche, okay, y aurait-il des postulats de type biologie sociale, en prenant comme postulat, bien entendu, le dérèglement climatique, c'est-à-dire que les rapports sociaux d'aujourd'hui liés au climat seraient naturalisés par ce qu'on appelle la biologie sociale, qui donne un certain nombre d'approches qui seraient la survie humaine dépendrait d'une approche prédatrice autour de soi, et par conséquent, qui va très loin, si on pousse très bien, à savoir que le système néolibéral serait, si on le tire, le fil politique, serait finalement l'avenir pour nous protéger un peu de ce dérèglement climatique, ou pas. Voilà ma question. Une question, et puis comme ça, on répondra globalement. Encore une dernière question. Oui, merci. Je voulais revenir sur la question des réfugiés climatiques. J'ai l'impression qu'on est un peu tétanisé par cette question, en fait, et qu'on a beaucoup de mal à la penser. Vous l'avez bien expliqué sur les aspects juridiques. On n'arrive pas du tout à trouver des définitions claires. On est tétanisé parce que, déjà, on a eu la crise des réfugiés d'il y a quelques années qui venait de Syrie. Là, pour le coup, une vraie crise, puisqu'on a vu débarquer en quelques mois des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, on parle de 250 millions de réfugiés, et tout d'un coup, voilà, le chiffre nous frappe. On est là encore tétanisé en se disant, même si on est libertaire et même si on aimerait croire en un monde où il n'y a plus de frontières, on se dit 250 millions de réfugiés qui font toc-toc à la porte de l'Europe demain, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas gérable. En tout cas, ça sera très 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 compliqué. Et en prenant un peu de recul, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre le sujet? C'est-à-dire que
Le changement climatique, c'est un temps long. Ce n'est pas 250 millions de réfugiés qui vont taper à la porte du jour au lendemain. Ça va se passer sur des décennies. Quand on parle de réfugiés climatiques, ils sont d'abord dans les pays. Hein, c'est d'abord des déplacés climatiques. C'est d'une année sur l'autre, une famille qui peut plus exploiter son terrain agricole parce qu'il y a pas du tout parce que voilà le terrain est plus fertile ou parce que les températures ont augmenté et qui va se déplacer en interne 2, 10, 15, 20, 30 kilomètres. Du coup, est-ce que c'est pas plutôt à cette échelle-là qu'il faut réfléchir et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il serait possible de faire en termes d'adaptation pour accompagner ces pays-là déjà pour structurellement, politiquement, qu'ils puissent tenir le choc et qu'ils puissent en interne s'adapter. Et je pense aussi à un volet peut-être un peu scientifique de se dire qu'est-ce qu'on peut se faire. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de projection, cette fois très très scientifique, pour se dire qu'il y aura tel ou tel territoire qui seront habitables ou plus habitables, et à ce moment-là, comment on les gère, et du coup, comment ensuite on peut apporter notre part à la gestion de ce problème, mais dans une échelle un peu plus longue. Voilà. Merci. Une question sur le biologie sociale, une question sur les réfugiés environnementaux. Je vous remercie beaucoup pour cette question qui est effectivement centrale. Je ferai assez court parce que je dois aller prendre mon train aussi. La question méthodologique est centrale. Je regarde le monde tel qu'il est et ensuite j'essaie de remonter la chaîne de causalité pour essayer de comprendre pourquoi on en est là. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai pu le dire de façon un peu abrupte tout à l'heure, mais je ne pose pas les choses telles que je voudrais qu'elles soient en m'écrivant ensuite l'histoire qu'il faudrait. Voilà. Ce qui est pour moi le travers de l'écologie comme elle s'est construite jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce constat d'échec, malheureusement partagé, mais je crois que là-dessus on est à peu près tous d'accord, je n'essentialise rien. C'est-à-dire que je ne considère pas que l'humanité ait une nature en tant qu'elle soit par exemple intrinsèquement destructrice ou intrinsèquement violente, ni à l'inverse, intrinsèquement généreuse, comme on peut l'entendre dans certains discours liés aussi à l'écologie, etc. etc. Je ne fonctionne, ma méthodologie n'est pas celle-ci. J'essaie de comprendre comment une espèce, la nôtre, mais avec beaucoup de parallèles avec d'autres espèces, s'adapte en fonction du contexte. Et dans un contexte de pression de la compétition pérenne, voire augmentant, effectivement, la rivalité est la meilleure stratégie pour s'adapter. Mais là encore, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas essentialiser non plus la coopération et la solidarité, qui ne sont pas des valeurs en soi. La solidarité et la coopération, on fait des guerres avec. Enfin, au nom de la liberté et de la solidarité, on a fait vraiment des guerres très violentes au nom de la liberté, au nom d'une certaine définition de la solidarité. Donc en soi, ça n'est pas une valeur, et surtout, ça n'est jamais dissociable de la rivalité. C'est-à-dire que lorsqu'on crée un groupe solidaire, ça crée une membrane. C'est-à-dire que ce groupe solidaire définit un idéal qui lui appartient, un modèle d'adaptation, mais il y a un extérieur à ce modèle-là. Et entre le modèle idéalisé par le groupe coopératif et l'extérieur, peuvent aussi se créer des lieux de rivalité très forts. Donc je ne dis pas que l'humanité est mauvaise en soi, c'est pas mon point de vue, je dis qu'il se trouve que dans certaines circonstances, les moyens qu'elle développe lui sont mauvais, si jamais on doit moraliser, et surtout sont toxiques et autodestructeurs. Mais l'essentialisation n'est pas mon travail. Merci. Marie, si tu veux rebondir sur la question. Là, rapidement, je suis complètement d'accord avec votre approche, et il est vrai qu'il n'y aura jamais 250 millions de réfugiés, donc déjà on ne dit pas réfugiés, parce que ce n'est pas correct, mais déplacés climatiques ou environnementaux qui arriveront d'un coup. Là où par contre il y a la nécessité de se positionner, c'est pour les territoires qui sont véritablement vulnérables et on les connaît. Hein. La Banque mondiale a lancé l'année dernière un projet. C'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est la Banque mondiale qui lance ça parce que c'est pas spécialement une organisation internationale très sociale, je dirais. Donc a financé un gros programme avec des géographes, des climatologues, etc. pour anticiper les déplacements forcés de population dans 3 zones dans le monde. Donc Bangladesh, Éthiopie, et je crois qu'il y avait un pays en Amérique du Sud. Et donc, il y a du travail de projection qui est fait. Maintenant, je n'ai pas l'impression que ce qui remonte de ce travail scientifique arrive encore à pénétrer le champ des politiques migratoires nationales. C'est-à-dire que là, il y a une position un peu de sourd, en fait, ou d'aveugle, comme vous voulez. Mais je pense que une fois qu'on a sorti ce rapport-là, qu'il a été présenté dans les sphères universitaires, il n'a jamais été repris à l'échelon national, en fait. Donc il y a cette limite-là.
Là où il faudra aussi, je pense, se positionner, c'est sur le volet humanitaire et de protection. C'est-à-dire que oui, un État doit s'occuper de ses ressortissants et de ses citoyens. Donc oui, un État est chargé d'intervenir après une catastrophe naturelle ou climatique pour s'occuper de ses ressortissants. Mais dans le cas d'États défaillants, comme ça a pu être avec le Népal ou le Bangladesh, on s'aperçoit très bien que là, il y a une nécessité de mobiliser, de saisir la communauté internationale et les organisations internationales pour qu'elles arrivent et qu'elles interviennent. Et donc je pense qu'un volet qu'on pourra peut-être exploiter un peu plus à l'avenir, c'est les principes directeurs relatifs aux déplacés internes, qui est un principe qui a été mobilisé par la Croix-Rouge, qui date de 1998, et qui permet, c'est une espèce d'accord un peu tacite entre la Croix-Rouge et les États, qui permet à la Croix-Rouge d'intervenir quand il y a des mouvements de mobilisation, de déplacement interne, pour éviter en fait de flirter sur cette logique d'ingérence, ce qui est très compliqué pour les organisations internationales à assumer. Et pour répondre à votre dernier point, effectivement, ces flux vont se faire dans le temps long. On aura des questions de territoire qui vont être véritablement menacées, je pense au territoire insulaire, mais je pense qu'il faut aussi se préparer à ce que des zones dans certains pays ne soient plus vivables et que donc on doive aussi penser la recomposition et le déplacement interne. Et ce n'est vraiment pas évident de réfléchir à ça. Typiquement aujourd'hui, quand on a une catastrophe naturelle qui arrive dans les Antilles, on envoie l'armée. C'est très fort. Comme positionnement de l'État. C'est vraiment l'État, le pouvoir régalien, qui vient récupérer son devoir de protection. Et ce qu'il est très intéressant de voir, c'est que jamais la question des assurances climatiques n'a été abordée après ces dommages et ces dégâts-là. C'est-à-dire que c'est l'État qui subventionne et qui compense. Mais alors, les assurances privées, personne n'a abordé le sujet. Et évidemment qu'au bout d'un moment, on va se poser la question aussi pour l'État, et c'est là où de plus en plus les organisations internationales montent au créneau en disant « Attention, le changement climatique, ça coûte cher ». Oui, bien sûr, parce qu'un État ne va pas toujours avoir la capacité d'accompagner le déplacement de ses populations, de réinvestir dans d'autres sources d'agriculture, de construire des nouveaux logements, de s'adapter à des canicules. Ça n'est pas possible, en fait. On n'a pas la dépense publique, on n'a pas les pouvoirs publics qui sont prêts à ça. Et donc là aussi, il va falloir commencer à toucher un peu au rapport qu'on entretient avec le secteur privé sur le domaine de l'assurance. Merci à vous deux. Et puis, je vous invite à rester encore dans cette salle.